Jeudi 25 mars, à l'appel de la FDSEA et des JA de la Mayenne, 150 agriculteurs et une cinquantaine de tracteurs se sont mobilisés devant la préfecture en soirée pour faire part de leur mécontentement des actions de l'État. Et encore une fois, donc avec une entreprise, malheureusement la Valoise, ça fait pas forcément de la bonne pub pour notre département, qui a cru bon en 2017 de porter l'affaire en justice sur l'obligation d'étiqueter pour les produits français, et bien aujourd'hui, elle a eu gain de cause malheureusement, et c'est aussi un travail donc, de toutes les filières qui est tombée par terre. Et puis là, très dernièrement, une filiale du ministère de l'Agriculture a fait une proposition sur le dossier PAC qui ne convient pas du tout aux éleveurs de la Mayenne, aux éleveurs des Ligériens, Pays de Loire. Il y a pas mal d'heures de syndicalisme, de construction de passé, et encore une fois, c'est l'État qui fout tout en l'air. Enfin, on construit des filières, on fait notre rôle, la profession a été là pour monter l'étiquetage pendant des années, a été là pour faire la charte riverain, a été là pour sur tous les dossiers, en collaboration avec l'État. Hein, donc l'État a passé aussi des heures à construire tous ces projets, et au moment d'accomplir, disons qu'on avait établi des choses, je sais pas si... Si c'est elle qui allait ramener beaucoup de trésorerie dans nos exploitations, mais c'était un bout du chemin qui était fait et tout est foutu en l'air. Et toujours, même si on vient pas aujourd'hui forcément pour se battre de l'argent, je pense qu'on vient aussi pour se faire respecter. Malheureusement, il faut qu'on se bouge parce que si l'État croyait qu'il n'y avait plus d'agriculteurs, il voit ce soir qu'il y en a encore quelques-uns, qu'on sera toujours là pour défendre notre peau. C'est pareil, on a eu des négos commerciales qui étaient en rapport normalement avec les Egalim. Je rappelle que notre cher président nous a promis qu'avec Egalim, on serait payé par rapport à notre prix de revient, par rapport à nos coûts de production. Et tout ce petit monde-là se réunit dans des petites salles pour discuter du prix. Et on voudrait nous dire que demain, les prix industriels qui seraient revus à la baisse n'auraient aucune conséquence pour nos prix payés aux producteurs. Le message a passé ce soir au préfet que là-haut, on existe encore. Hein. On existe encore et on veut bien, on espère bien continuer notre boulot parce qu'on adore être agriculteur. Donc il n'est pas question qu'on arrête d'être agriculteur demain. Il faut juste qu'on soit bien payé et qu'on ne nous mette pas des règles à la con qui servent à rien.